Bonjour à tous, Ho Chi Minh City, encore une nouvelle journée qui débute, qui débute super bien, avec tout le calme et tout le bonheur que l'on peut souhaiter avoir. En fait, je n'ai pas grand-chose, hein. Franchement, actuellement c'est plutôt chaud, quoi, on va dire au niveau boulot, au niveau des sous, il n'y a pas vraiment grand-chose. Mais par contre, au niveau tranquillité, on est peinard. On se plaint toujours qu'on est toujours à 100 à l'heure et tout d'un coup, ben, putain, on est passé à 10 ou à 5 à l'heure et en fait on a le temps de voir venir. Donc ce qu'il faut c'est essayer de profiter de cet instant parce que d'habitude on n'a pas le temps. Donc maintenant ben, on l'a, donc il faut se dire que ça c'est cool, j'ai tellement voulu être cool, je suis en vacances depuis 2 mois, voire 3 mois et bientôt 4 mois. Donc comment est-ce que je peux profiter de ce moment pour essayer d'en tirer le meilleur, quoi. Donc réfléchissez-y, qu'est-ce que vous pouvez faire de constructif? Lire des livres intéressants, ça peut être une façon. Apprendre à jouer de la musique ou pratiquer si vous savez déjà. Chanter plus souvent, vous étirer, méditer, respirer, jouer avec vos amis, jouer avec vos enfants, écrire un livre, tout ça c'est juste des idées et sinon ben, vous pouvez simplement choisir d'apprendre à jardiner. Par exemple, si vous avez une petite terrasse ou un petit jardin, ou sinon vous pouvez vous asseoir dans la nature et puis écouter la nature. Un peu ce que je fais là, et enfin là je vous parle donc je vous entends pas. Mais dès que j'aurai fini cette petite vidéo, eh ben, écoute, regardez un peu le son de la nature juste derrière moi. Écoutez. C'est tellement parfait, c'est tellement beau, c'est tellement superbe. C'est des grillons, il me semble, hein. Ça sonne pareil. Et là, il y a un oiseau particulier avec un cri particulier qui commence à chanter. Dans le fond, j'entends aussi le camion qui est en bord de route. Celui-ci, il est beaucoup moins beau comme son, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas tout avoir, mais moi, je choisis de regarder ce qui est plutôt sympa. Donc voilà, la vie est belle et sachez la regarder et à bientôt.